Break. Attention Daniel. Break Daniel. Oui, 88 et 73 à Daniel. Ouais, ça doit être lui, senteur, là, que j'entends derrière. J'ai pas mal de QRM, là, de mon côté, ce qui fait que j'ai un petit peu de mal à le sortir. J'ai bien deux points de QRM, même toi là j'ai du mal à t'entendre. Je le devine derrière, mais c'est tout. Hein. Je l'entends parler vaguement derrière. Je reconnais ce Roger Beep, mais c'est tout ce que j'ai là pour le moment de mon côté là, à cause du QRM. Ouais, non, mais c'est vrai que là j'ai énormément de mal à sortir là qui que ce soit là. Aussi bien toi que Daniel. Toi tu m'arrives à Santiago de 3, mais j'ai un QRM de 2 derrière qui me fait pas mal de bruit. Hein. Et ce qui fait que là c'est vrai que j'ai du mal un petit peu là, à décrypter. Et Daniel, ce qui passe le mieux encore c'est sur Roger Beep. Ah chie.
Ouais, je l'entends tout petit là derrière. Je l'entends tout petit. J'espère que je suis module personne. Vu que j'ai pas compris la fréquence, si on essayait en Lima Sierra Bravo, là on est en uniforme Sierra Bravo. Si on passait en Lima Sierra Bravo pour voir si ça s'améliore. Ouais, ok. Bon, j'ai toujours autant de QRM, c'est pas le problème. Enfin, si, hachi. Mais là, bon, j'arrive à mieux te sortir. Le 260, 27, 2, le canal 27, tu veux dire? Non, négatif. Négatif, je monte pas là-haut. Je t'expliquerai de visu pourquoi. Enfin, si, je peux te le dire là, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est au-dessus de 900, ça a tendance à moustacher un peu les radios amateurs qui se plaignent de plus en plus. Et il y a quelques soucis de ce côté-là, et je t'en parlerai, je te donnerai plus de détails de mi-voix, quoi. Ouais, j'ai réussi à décrypter. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça, j'ai entendu ça à la télé, là. Putain, mais t'es bridé à 70 km/h. Mais je sais pas, moi, je sais pas ce que t'en penses, mais 70, 90, ça te fait rester plus longtemps sur la rocade, et du coup, je sais pas, moi, si tu restes plus longtemps sur la rocade, tu pollues forcément tout autant, quoi. Donc, je sais pas si c'est vraiment, vraiment efficace de réduire la vitesse. Ben oui, j'ai vu ça hier soir. Aujourd'hui à 13h, là, j'ai pas trop regardé là ce qui se passait à la télé. Mais ouais. Enfin, c'est vrai que du moment qu'on passe plus de temps sur la route, forcément, est-ce qu'on pollue moins en passant plus de temps sur la route? Moi, je suis pas convaincu, j'y crois pas trop. Ouais. Là, je demande est-ce que ça soit prouvé, ça, on va dire. Bon, le signal a baissé. Est-ce que... Ah, j'ai oublié son prénom. Désolé, LYL, j'ai zappé ton prénom. C'est pas bien, ça. Est-ce qu'elle est avec nous? Pardon? Ben, vu d'ici, la modulation est assez aiguë. Bon, chacun sa vie, hein, je rien contre. Non, je plaisante. Vu d'ici, c'est vrai que la modulation fait plus penser à une modulation d'YL que d'OM. Je cherche pas à foutre la merde, loin de là, hein. Ah putain, oui. J'ai entendu derrière. Alors, Louis Delormont, je retire les 88, hein, de tout à l'heure, hein, je les garde pour une vraie, pour mon YL. Hachi, les bonnes 73 à toi, Louis. Les 73, Eric, hein, qui vient d'arriver également. Ouais, salut Rémi, t'as encore des vapeurs, mon ami. Je le fais pas exprès, j'ai quoi? Je disais, tu dois avoir encore des vapeurs.
Non, d'ailleurs, là, je suis, pour faire plaisir aux OM, là, je suis en train de faire là, une petite vidéo. Et c'est vrai, tu verras là-dessus. Bon, ça va, le QRM a baissé, là. Tout à l'heure, j'avais un QRM de 2 assez bruyant qui me couvrait tout le monde. Même Louis, hein, j'avais du mal à le sortir parce que tout à l'heure, il proposait un QSY. Je comprenais que la fin, le 75, c'est tout ce que je comprenais, quoi. Mais là, en Lima, Sierra Bravo, là, ça va déjà mieux quand même. Pas Louise, c'est Louis, à toi Louis. Salut. Ouais, je t'entends. Bon, c'est un peu noyé dans le QRM, mais bon, je t'entends quand même. Et mes excuses, hein, pour la confusion, hein. Daniel, je crois que tu vas pouvoir me faire le QSP. Hachi, non, Eric, j'ai du mal. Hein, là, j'ai vraiment du mal. C'est un peu noyé dans les QRM. Pourtant, Louis m'arrive à 3. Le QRM a baissé, mais j'ai un bruit là qui est quand même assez présent là qui me couvre. Hachi, et pourtant, j'ai largement moins bu que lui. Hein. Parce que là, je suis quand même resté soft. Hein. Alors, si on parle en chiffres, le midi, eh bien, j'ai pris que 3 apéros. Ça s'est arrêté là. J'ai rien bu d'autre durant le repas, si ce n'est que du jus de fruits ou de l'eau, je sais plus. Et après le soir, juste un petit apéro, histoire de marquer la soirée. Et rien de plus. Hein. J'essaie de jouer sur les filtres, mais c'est hard. Hein. Où c'est que tu vas, Daniel? Au fond, je crois que j'en connais un justement. Ouais, moi aussi j'en connais un, ouais. Ben justement, profites-en. Eh bien, si ça l'intéresse. Daniel, on connaît un OM qui vend un B300P. J'ai tagué un B300P là, c'est le même que Rémi, mais la taille en dessous. C'est vraiment que le 300P. Oui, le synchro LLS, c'est le même que le B300P, c'est exactement le même. Ça, dans la voiture, on se vient de temps, hein? Voilà, et qui sont vraiment très très gros, ça.
cher, hein. 110, 120 euros, oui. Et l'occasion. Ah, l'occasion. Quand tu sais le prix du neuf, c'est deux fois le prix, tout même deux fois et demi. De quoi? De 180 euros, oui, en Italie, non? Ok, Eric, d'accord, ok, ouais, reçu Daniel, Eric, là je suis passé sur le micro à pied, là, le MD100, je suis à peu près à 20 cm du micro, est-ce que tu m'entends mieux qu'avec le micro à main? Écoute, je ne me rappelle pas trop, tu sais pas évident, tu me dis ça comme ça. Ouais, je sais, je saute sur l'occasion, le micro à main, je l'avais juste là avant. Voilà, à mon précédent passage, j'étais avec le micro à main, et là, je suis avec le micro à pied. Au niveau du signal, j'ai l'impression que ça a l'air, il a l'air d'être moins costaud, ce micro, par rapport au micro d'origine. Là, tu m'arrives à un signal 6, presque 7. Ouais, d'accord, mais... Ouais, d'accord, mais au niveau radio, j'ai fait les réglages que tu m'as conseillé là sur le en dessous du micro. Au niveau du poste, bien je suis sur la position normale. Donc là c'est pour voir. Donc là je suis avec le eh bien attends, c'est vrai attends, je vais faire un truc, je te garde en ligne en même temps là. Voilà. Alors je suis en train de le brancher à l'envers, je crois l'autre. Attends, bouge pas. Eh merde, ah voilà, ça y est. Ok, voilà, je passe là le temps d'une seconde sur l'autre micro. Ok, bon, là, je suis toujours sur le micro sur pied. Là, j'ai piqué l'astuce à Thierry, à le coyote. Donc, j'ai le micro à main qui est branché sur le micro à pied, qui est branché sur le poste. Ah, chi, on s'accroche à la queue leu-leu. Donc, là, je suis avec le micro à pied. Et là, maintenant, voilà, là, maintenant, je viens de passer sur le micro à main. Donc, quelle différence, voilà, là, le micro à main, là, le micro à pied. Ouais, ok, bon, ben vaut mieux encore le micro à main, parce qu'une voix plus sourde en PLU, forcément, ça passe moins bien, quoi. Ouais,
Ouais, si ça fait plus sourd, c'est que c'est pas bon, quoi. Non, faut surtout pas que ça fasse plus sourd. Peut-être plus aigu, j'ai une voix qui est assez grave. Plus aigu, encore, c'est pas trop méchant. Plus sourde, plus grave, surtout pas, quoi. Là, il y a plus sourd de la radio. Eh bien, là, je suis de retour sur le micro à main. Elle a baissé ma radio. Ok, je rebranche le micro à main en direct dessus. Ah ouais, elle a chuté la radio là. Bon, après moi en mobile, je peux pas vous dire parce que c'est vrai qu'il y a des distorsions de montée d'essence, tout ça. Mais au niveau de l'écoute, pour moi, c'est vrai que le micro manuel était quand même agréable. Hein, voilà. Malgré que le micro acier n'est pas désagréable, hein, mais loin de là, mais voilà, donc ça te, déjà que toi, effectivement, tu as une radio, enfin une voix sourde, grave, donc ça a fini ta modulation, hein, ta voix. Par contre, oui, le fait de brancher plusieurs micros, c'est pas tellement non plus cuirou, hein, je pense pas. Voilà, parce que tu risques de te retrouver avec des distorsions, hein, Rémi. Ouais, bon, là, c'était juste le temps du test. Voilà, maintenant, je suis à nouveau rebranché en direct, là, sur le poste, là, avec le micro à main. Ok, ben là, 100% cuiro, là, Rémi. Ok, bon, ben, voilà. C'était bien la peine que j'achète un micro à pied. Hachi. Non, mais il faudra que j'approfondisse par la suite, là, les réglages, quitte à toucher l'équaliseur du poste. Alors c'est le Yazu, là j'ai compris quand même, c'est le Yazu FT450. Et, ah zut, là ce coup-ci j'ai pas compris, Eric, tu peux me faire le QSP s'il te plaît? C'est le 450, mais le compresseur est à 3 positions et sur la position normale. Ouais, il faut que je te mette Rémi sur la position height. La position height. Ok, attends, bouge pas. Ah ouais, ça va peut-être le faire, parce que là j'étais en train de surveiller le niveau de QRM que j'ai en émission, et j'ai vu là, le RCM descendre à 0, ça va peut-être le faire. Ok, je vais dans les menus, je reviens de suite. Qu'est-ce que je fais moi? N'importe quoi. Eric, il a mis la soleil. Ouais, parce que sur la position height, tu vas voir la radio si elle est à travailler. Ouais, je profite qu'il bricole ses menus pour vous envoyer 73-51. Salut Ludo. 73 Ludo, ça y est, c'est fait. Eh ben c'est bon ça. Ouais, 73 du dos Daniel Santor, ODR 64-73. Ok, Ludovic, vendredi soir, samedi soir, s'il n'y a pas de changement, c'est bon, je suis dans le QSO. Enfin que je dis ça, j'ai reçu un SMS là tout à l'heure de changement de planning. Et j'ai l'YL qui ira voir sur internet tout à l'heure ce que c'est. Donc s'il n'y a pas de changement, ça devrait être bon là pour vendredi soir, samedi soir. Bon ben c'est impeccable, c'est parfait, voilà. Faut venir. Allez, je dis à tous, je reprends pas là parce qu'il faut vraiment guider. Allez, bon après-midi, le mail. Ok Ludovic, mais ce week-end j'ai eu quand même un empêchement. T'as dû voir certains gros dossiers apparaître sur internet, à chi trois coups. Bon, est-ce que j'étais mis sur la position height, Rémi? Eh ben oui, là j'y suis. Ouais, c'est vraiment une différence, oui. Oui. Là par contre, pour moi, Rémi, là, j'arrive à la sortie des bornes, hein, je prends la sortie 9, là. Voilà, j'arrive sur la sortie 9,
du lac, la sortie des bornes. Hein. Là, par contre, plus je m'en rapproche, la radio est forte. Hein. Ah, plus tu te rapproches, plus c'est fort. C'est pas normal, ça. Il y a un problème, là, dans ta station, Hachi. Oui, Eric, tu vois pas de différence. Pourtant si, hein. Là, je suis bien positionné sur la position height. Alors, attends. Là, tu t'es mis sur position height. Et tu utilises quel micro, là? Le micro à main. Ouais, ok. Alors, mets-toi, reste sur la position height et utilise le ça, alors. Utilise, j'ai pas compris. Non, mais attends, c'est le mot là qui n'arrive pas à passer. Tu me dis, utilise quoi le MDE, je l'ai débranché. Bon, d'accord, ok, je le remets. Oui. Fatigue, moi. Attends deux secondes. Ok, voilà, j'y suis là. C'est vrai que je vois le hertzmètre monter un peu plus haut par rapport à tout à l'heure où j'étais sur la position normale avec le micro à main. Ta radio, elle est claire là. Je trouve que c'est mieux là. Ok, Daniel, ça donne quoi de ton côté là? Laisse tomber le camion. Dis-moi ce que ça donne de ton côté. Ouais, pour moi, l'écoute est la meilleure. T'es avec le micro sur pied là, René? Oui, micro sur pied, compresseur d'enclenché, et attends, bouge pas. Ok, nickel. Eh bien, il y a un truc qui s'est réparé tout seul, Hachi trois coups. Quand j'avais le compresseur de mis en position haute, j'avais un QRM qui montait bien à Santiago 1, peut-être Santiago 2 même. Ouais, enfin, un bon Santiago 1, ça c'est sûr. Et là... désolé, je viens de faire une porteuse blanche pour voir, et non. Donc, au niveau tonalité, alors c'est mieux avec celui-ci, vu que j'ai une voix grave, ou avec le micro à main? Là, t'as une radio nickel, là, Rémi, là. Il fait pas stéréo, mon poste. Eh, mon poste, il fait pas stéréo, là, Hachi trois coups. Bon, j'ai quand même compris, la radio est meilleure, là, comme ça, elle est plus claire. Mais, plus claire, est-ce que ça la rend plus percutante? Ah, mais moi, avec la distance, là, moi, c'est bon, moi, là, c'est bon. Ok. Ah tiens, pendant que j'y pense, le QSE national du canal 27 qu'on fait sur le canal 27, c'est-à-dire 27-275, fait parler après qu'il ait fait parler de lui en Belgique, en Allemagne, en Suisse. Maintenant, c'est au tour de l'Espagne de s'intéresser à nous. Et là, j'ai l'info, je tiens l'info justement d'un groupe sur Facebook, là, un groupe espagnol, là, qui nous invite justement là, à venir jeter un œil de leur côté, quoi. Ah, zut. Là, il y a eu un problème, là, René. Oui, la pédale PTT qui était restée coincée. Tu veux que je dise, Louis, par contre, toi, t'as la radio, elle est très, très sourde. Merci la porteuse, je sais qui c'est. Voilà, c'est bien toi, Eric. Voilà, c'est bien ça. C'est bien ce qu'on disait. Ouais. J'ai reconnu le signal. Toi, c'est bien ce que je disais. Dès que je prends le micro, ça y est, c'est parti.
9 plus 40 de mon côté. Voilà. Voilà, toujours le même abruti. Il est sur 27 600. Si vous m'entendez, il est sur le 27 600 en USB, en uniforme Sierra Bravo. Voilà où il est, là, avec sa porteuse. Et 9 plus 40 de mon côté. Après, on dit il est jeune, alors que c'est un vieux con, là, qui fait sa porteuse. Non, mais de toute façon, là, on sait qui c'est, hein. Voilà. Hein. Et tu t'es roulé, là, le renard, Rémi? J'ai une idée. Ouais, mais il y en a qui profitent de, comment on va dire, de leur état pour justement foutre la merde, ce qui leur permet de gagner des sous au bout du compte. Il y en a qui se prennent pour les maîtres de la fréquence, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Et après, tiens, non, mais c'est du n'importe quoi. Hein. Là, parce que j'avais mis la réception à zéro là, pour voir. Attends, parce que je suis au Bigarou là. Rémi, là, je viens de rentrer dans le Bigarou. Ah, là, ça a dû t'arriver à fond. Là. Ça va, ça va. Ouais, le signal aurait continué à monter un peu, à mon avis. Bon, mais je vais baisser la réception au fur et à mesure. Ouais, puis après, ben oui. Bon, je vais pas polémiquer là-dessus, c'est pas l'endroit pour. T'as pas eu un coup de paparazzi? J'ai pas eu quoi? T'as pas eu un paparazzi qui t'a pris en photo en passant? Ah non, je l'ai vu, hein. Je sais où il se planque le paparazzi, il faut qu'il change de planque. Ah, chie trois coups. Hey, toujours les gens dans ton pays là. Putain, je sais même pas combien il y a. Attends, je vais voir ça. Et en mobile, là, j'ai 10 degrés, là, après la sortie du Bigarou, là. Il fait 10 degrés, là. Bon, bah, ok, tu m'as donné la température. Qu'est-ce que je vois, là? 11, 12, ouais, 11, ouais. Ouais, je dois avoir ça, oui. Bah, ouais, c'est ce que j'ai affiché dans la voiture, là, 10 degrés, là. Ouais, voilà, oui. En tout cas, tu vois qu'il y en a qui veulent vraiment me faire disparaître de la fréquence. C'est hallucinant, hein? Non, mais hey, Rémi, tu sais que... Non. Parce que je... Non, mais il y a une catégorie de personnes qui cherchent justement ça exprès pour gagner encore plus de sous, tu vois. C'est là, il faut pas tomber dans le piège. Daniel, Eric, t'es toujours là ou t'es au 600? Eric sur le téléphone, mais là je les entends plus là. Ok, Louis, est-ce que tu es toujours derrière?
Ben non. Et après, tu vas voir que ce petit con là va s'amuser à dire que ben non, c'est pas lui, hein. Ben non, surtout pas, quoi. Sauf que vu le signal, il n'y en a pas 50. Ouais, parce que réception baissée là, j'étais à Valais-Bicarro, j'entendais, il me faisait deux points là, signal baissé, hein. Ben tu m'étonnes, je suis pas surpris, hein. Plus, vu le réglage du micro, bien poussé en saturation, ouais, bah oui, c'est comme si c'était signé, quoi. Ah oui, non, mais c'est ça, quoi. Mais les mecs, putain, mais ils ont quoi dans la tête, là? C'est des gamins, c'est pas possible. Oui. Ouais, oui, pour après les entendre pleurnicher et qu'ils entendent personne en fréquence. Voilà, c'est là, tiens, tu me fais penser à un truc. Certains sont restés là sur des vieux a priori là d'autrefois avec les 40 canaux, les canaux bordel et tout ce qui s'ensuit. Et j'en passe des vertes et des pas mûres, plus ces noms d'oiseaux qui vont avec. Mais non, quand on regarde bien sur les 40 canaux, au contraire, c'est clean. Là, aujourd'hui, c'est vraiment clean. Hein. Les QSO se font d'un côté, de l'autre. Tout le monde fiche la paix à tout le monde. Et par contre, les emmerdeurs, c'est en B et lui qu'on les trouve. Voilà, que ça soit aussi bien du côté France comme du côté Espagne. Quoique l'Italie, non. Ouais, enfin, un peu l'Italie, surtout France-Espagne, ouais. Et principalement B et lui. C'est hallucinant, quoi. Voilà. Mais écoute, je sors de. J'étais à 6 km tout à l'heure là. Je sors de Saint-Pédermand là, hein, Rémi. Voilà. Je sors de Saint-Pédermand, donc je dois être à peu près à 5 km là de chez toi. Ok. Un peu plus loin sur la gauche, t'as un marchand de matériaux. Tu peux tourner là. Oui, oui, tu verras, il y a un marchand de matériaux là sur la gauche. Je vais baisser la puissance là pour toi. Là. Il y a un marchand de matériaux là un peu plus loin là sur la gauche avec un croisement. Tu verras, tu as les zébras au sol et tout. Tu peux tourner là à gauche. Je te fais prendre un raccourci. Ok, attends, moi j'ai baissé la puissance là, tu m'attends toujours? Ouais, ouais, ben, je vais en faire autant aussi. Attends, je vais baisser la réception aussi. C'est bon là. Ok, tu m'entends toujours, il n'y a pas de problème. Ça y est, j'y suis là, au matériau là, je tourne à gauche. Bon là, tu m'entends toujours aussi bien. Oui, c'est bon, attends, je vais rebaisser un peu là. Je tourne juste après là, il y a une rue derrière le matériau, juste à droite là où je continue. Non, tu vas tout à fait au bout, tout à fait au fond. C'est pas compliqué. Quand tu pourras plus aller tout droit, là, il faudra choisir. Sinon, tu te prendras le fossé qui est en face. Hachi. Ok. Bon, ben là, j'ai tout baissé, hein, Rémi. La puissance, la réception, voilà, tout est baissé. Ok, donc là, je continue tout droit, là. Hein. Oui, parce que j'ai laissé le matériau, il est à ma droite. C'est ça, Rémi? Ah ben oui, à moins que tu aies pris la route à ta gauche en marche arrière. La question au cas où que je me sois trompé. Ah, tu me fais passer par les Bessaniers là. Alors je te fais passer par la rue de la Bourrée, le domaine de la Caresse. Hachi, n'en profite pas. Ah, il y a plein de bons petits. On va filer, hein, parce que si je m'arrête, je repars plus là. Hein. Et tu verras un peu plus loin, tu as une voie ferrée. Là, tu continues tout droit. Affirmatif, je suis au panneau là. Voilà, donc effectivement, je la vois, la voie ferrée là. Et continue tout droit. Hey, tu sais que tu m'arrives à plus 20 quand même là, ici là. Et là, j'ai plus rien là. Je suis au minimum là, Rémi. Hein. Ben, tu m'as même fait des pointes à plus 25 là. Voilà, bon.
Allez-y, continue. Voilà, j'ai un ostrique. Elle est abandonnée, là, ce truc ostricole, là, lui, là. Voilà. Alors, j'ai cédé le passage, là. Plus 30. Donc là, tu es au croisement T, j'imagine. Et tu vois, ça va en montant, là. D'accord, oui, Sainte-Colombe à droite, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et après, tu reconnaîtras. Eh, ils arrivent bien vite, les camions, là, par cette petite route, là. Hein. Tu m'étonnes, ils connaissent, ils sont habitués, quoi. Oui, si tu vas tout droit, t'atterris à Saint-Mel de Castillon. Donc, c'est forcément à gauche. Et après, bon, bah, tout droit, et je pense qu'après, tu reconnaîtras le secteur. Ah oui, parce que si j'étais arrivé par la route normale, je serais arrivé en face de moi, c'est ça? Si tu aurais pris la route normale, tu serais arrivé au Leclerc là, de Saint-Magne, de Castillon, Castillon-la-Bataille. Donc là, au rond-point, tu aurais pris à gauche pour passer, on va dire, la route touristique. Et ça t'aurait fait toute une boucle en plus, quoi. Qui est, évidemment, c'est plus simple en passant de ce côté-là, mais c'est plus long aussi. Oh, mais c'est pas grave, voilà. Le principal, c'est d'arriver, voilà. Oh, il y a une belle antenne. Mais c'est mal expliqué. Il y a une belle antenne. Le Banafit, là. Est-ce que ça serait pas ça? Alors là, je t'ai fait prendre le raccourci hein, par rapport à la route touristique. Ben, ça dépend. T'entends les cloches sonner ou pas? Ah, les cloches se sont tues, mais bon, j'ai vu qu'il y avait... Il y a un beau domaine, là. C'est... des conséquences si c'est ça. C'est plus 35 là que tu m'arrives. Hein. Ok, je continue la route parce qu'après la droite c'est un domaine, d'accord, donc je continue la route. Ah non, t'es pas rendu. T'as vu une antenne sur ta gauche? Non. Lui, il module plus depuis... il a toujours sa station, il a toujours son matériel. On l'entend plus. Avant, il fait autrefois, il y a quelques années, il y avait un gros QSO là, qui se faisait là, sur le canal 25 normal. Et bah, petit à petit, les uns, les autres ont laissé tomber. Pour qui, pourquoi pour faire autre chose, tout simplement. Et Stoem est persuadé que sur son poste, il doit y avoir qu'un seul canal. D'ailleurs, t'as une petite anecdote, il est même pas sûr que le rotateur fonctionne encore parce que ça fait des années et des années qu'il est calé sur le canal 25. Donc pour lui, la Sibie ne s'arrête qu'au canal 25. Voilà. Hachi. Donc ouais, toi tu continues. Non, parce que j'étais trop loin, je l'église à ma gauche, là, donc je sais que toi, t'es plus à ma gauche, là. Ah bah tu m'étonnes, plus 60, barrière en bois, voilà. Ah oui, je te vois faire demi-tour. Vas-y, descends, Daniel, vas-y, descends, et au croisement. Voilà, là, sur ta droite. Voilà, c'est ça, c'est ce qui me semblait que c'était aussi à gauche là. Et voilà, je cherchais l'antenne et puis je la voyais pas. Ah oui, voilà, qu'il n'y a pas les salles en bois et à droite, oui, c'est ça. Ok, donc plus 60 de Niroport. Toi, hein, ça s'améliore. Hein. Là, tu as réussi à le régler comme il faut ton poste. Hachi. C'est vrai que ton antenne, on la voit pas du tout là. Hein. Là, c'est. Je vais te dire que ça, c'est nickel. Hein. Ben, disons que c'est surtout par rapport au bâtiment de France. Voilà, j'ai des arbres derrière qui sont très très hauts, bien plus hauts que l'antenne de toute façon. Et ben, comme ça, l'antenne peinte couleur vert palombière, et ben, elle se confond dans le paysage. Et puis comme ça, au moins, ça me permet d'être tranquille de mon côté, quoi. Allez, ok, je coupe.